Hobbs en live, salut les mecs, salut les bolos qui jouent toujours à des beats and all dans le futur où nous sommes. Bienvenue sur un nouveau stream. Et ouais, tu vois, nous sommes à l'écran de titre. On va jouer à Mayhem Brawler, donc un beats and all que j'avais fait la review il y a quelques années maintenant. Au moment de sa sortie, j'ai pas revenu dessus, j'ai pas retouché. Et là, gros coucou et big up à Monsieur Port qui me l'a offert en version Xbox il y a genre quelques jours. Donc j'ai dit, c'est parti, on va redécouvrir le jeu, parce qu'apparemment il a bien évolué, hein, au fur et à mesure des mises à jour. Alors, salut mon Iceman, comment que tu vas? Salut mon Riddick, comment que tu vas? Allez, on se met bien. On se met bien les gars, il fait moins chaud. Il fait moins chaud les mecs, il fait au moins 5 degrés de moins là. On est quand même nettement mieux. Donc là, vu que j'ai pas de clim, je vais pouvoir m'en griller une. Voilà. Parce que l'autre jour, j'ai pas fait de clope. Parce que j'avais mis la clim. Alors bon, du coup, tout était fermé. Voilà, je clope quand c'est ventilé, tu vois. Là, voilà, la fenêtre est ouverte. Tout va bien. Alors, salut moi, Alf, comment tu vas? Salut Astéro Burger. Salut Scal. Salut mon Hyper Synchrone. Salut Jack Sidious, comment tu vas? L'image, on dirait un remake des 4 Fantastiques. Carrément, ouais, t'as vu mon Greg? Le Fixo qui a renouvelé son abonnement, yes! Bientôt un an, et ouais. C'était en novembre, les mecs, hein, le 11 ou le 12 novembre. Oh là là, alors attends, Alf qui a offert des abonnements, là, t'en bouges pas, là. Le train de la hype approche. Alors attends, qu'est-ce qui se passe, là? Voilà. Salut Karak! Alf, mon Alf, ouais, 23 chez moi. Dans le sud de la France, ça va avec du vent. Bah, nous, il doit faire 30, là. 30-32, donc ça va, c'est chaud, mais ça va mieux quand même. Hein. Mercredi, jeudi, nous ont annoncé de la flotte et de l'orage. On verra bien. Salut mon shérif. Et Alf qui offre un abonnement à Mokujin. Ça fait super plaisir. Merci mon Alf. Jacques, retour de vacances. C'est cool. Alors, bonjour les hommes et les dames. Ouais. Salut Azuka. Salut Vincent. Vincent, tu sais ce qu'on va faire? Et tiens, Vincent, Riddick, les gars, si vous êtes dispo un soir dans la semaine à 18h, on va se faire le Serious Sam en direct, là. Parce que le dimanche, c'est trop compliqué. Il y a des fois, je suis dispo, des fois, je suis pas dispo, c'est un peu le bordel. Donc, on va essayer de se streamer ça dans la semaine, si vous voulez, là. Genre mercredi, jeudi, comme vous voulez. Je baisserai un peu la qualité d'image. Comme ça, on se mettra en vocal Xbox. Et puis, voilà, quoi. Train de la hype, 50%. Ouh là là, oui, parce que tiens, Steven qui a repris un abonnement. Ça fait plaisir. Mon JB, comment que tu vas? Salut Yako. Steven, tu te refais Mayhem Brawler? C'est ce que je disais en début de stream, j'y ai joué à la sortie. Et je l'avais terminé, j'avais fait une review sur la chaîne. Et puis, je l'ai pas retouché depuis. Puis là, il y a Monsieur Port qui me l'a offert il y a quelques jours. Et apparemment, le jeu a bien évolué. Hein, avec toutes les mises à jour et tout. Donc là, ça va être l'occasion de revenir dessus. Voilà, revenir dessus, le découvrir, tout ça, enfin le redécouvrir plutôt. Alors, ouais, pourquoi pas, pas de problème. Eh bien, mon Riddick, pas de problème. Bah, on se fera des MP, hein, puis on va essayer de se caler ça. Hyper synchrone, gros temps de merde aujourd'hui en Touraine. Ouais, j'ai subi au boulot. On est mieux au bistrot Twitch, je DGX. Ah, écoute, hein. Voilà, hyper synchrone, à la tienne. Jack Starfield approche. Alors, si tout va bien, je vais avoir le code jeudi ou vendredi. Donc si par exemple vendredi le jeu il est opérationnel, donc on va le streamer sur Twitch évidemment vendredi à 18h. Voilà, on va faire le début ensemble. Ensuite je le continuerai en off et puis peut-être on samedi après-midi vers 5h. Hein. Du coup on fera peut-être une vidéo présentation de Starfield avec avis à chaud. Après, parce que le samedi matin je vais y jouer, donc après 3-4 heures de jeu quoi. Voilà. De rien, ça fait plaisir, mon Alf. Merci pour ton soutien indéfectible. Ça fait super plaisir. Il est grave, même stylé, même brûleur, hein, content de le revoir tourner. C'est bien, là, je vais me le remémorer, là. Salut, la belette. Comment que tu vas? Alors, là, je l'ai lancé. On va mettre le mode campagne, là. Après, là, quand j'ai fini la clope. Et apparemment, il y a deux persos à débloquer. Il y a deux nouveaux persos. Parce que moi, quand j'y ai joué, il n'y avait que les trois persos de base. Donc là, apparemment, il y a deux persos à débloquer. Donc, c'est cool. Vendredi, j'ai hâte grave. Alors, attends Iceman, donc c'est en considérant que j'ai bien le code comme le site l'a mentionné, et en considérant que j'ai pas d'autre merde à télécharger, parce que... alors, le jeu,
ton PC souffre pas trop de la chaleur. Alors en fait, Astéro, il y a une, tu sais, il y a une vitre sur le côté. L'été, je l'ouvre. Il est en permanence ouvert. Voilà. Et puis bah, le soir, quand je l'éteins, je mets une serviette dessus pour qu'il n'y ait pas trop de poussière qui rentre dedans. Et puis voilà. Donc en fait, Starfield, c'est la, la bah, j'ai installé la version de base qui fait 106 Go. Donc ça, c'est déjà installé. Et puis là, en fait, c'est la version deluxe que je vais avoir. Donc il va y avoir des artworks en plus. Je vais avoir les DLC quand ils vont sortir. Et je vais avoir les... Il y a quelques skins, des trucs là qui sont bah, débloquables tout de suite, a priori. Donc là, il y a 20 gigas de plus. Bon, s'il y a 20 gigas de plus, ça va ça va être téléchargé dans la journée. Donc bah, Greg, ça sera sur Series S. Donc bah, là, justement, hein, on verra s'il y a des bugs, comment ils tournent et tout, quoi. Alors, la fumée de la clope, ça le ventile, t'inquiète, ouais. Et ouais, moi, Alf, ouais, comment tu vas? Je vais m'en craquer une, tiens. Donc voilà, salut Nigel. Donc on croise les doigts, voilà, on croise les doigts les gars pour que... Bah déjà, j'ai bien le code comme prévu. Et puis bah que... Voilà, puis que du coup, bah je suis opérationnel vendredi soir, c'est-à-dire bah tout téléchargé. Pour pouvoir... bah, pour pouvoir le streamer vendredi soir et samedi sur YouTube quoi. J'ai vu, j'y ai joué, il jouait ce week-end. Ah ouais, il l'a déjà lui. Ça va, c'est pas bugué, non, il doit y jouer sur PC lui. Salut mon Aurélien, comment tu vas? Bah ceux qui l'ont déjà là, c'est la presse. Voilà, la presse, ils sont dessus là. Mais bah donc ouais, t'as vu JDG y jouer, il l'a fait sur quoi Greg? Il l'a fait sur Twitch. Donc a priori, y a pas d'embargo, parce que si tu l'as vu jouer, il peut y jouer quoi. Fight and Rage, j'ai optimisé Series SX. Ouais, j'ai vu, ouais, Gianni, ouais. Mon avis, ça, ils ont mis le 4K, tu vois. 4K, il était déjà en 60, le jeu peut-être 120 FPS. Bon, après 120 FPS pour ce genre de jeu, je sais pas si c'est utile. Alors je vais annuler mon repas de famille de vendredi. Bah je sais pas Vincent, hein, le... voilà, j'espère que je l'aurai. Si je l'ai, je ferai un post, hein, évidemment, vous le saurez. Et puis voilà, salut Herbert. Alors, ouais, après j'y étais en cours de stream, d'accord. Ça va être cool, je pense que le jeu tiendra ses promesses. Oui, ouais, je pense, hyper synchrone. Oui, oui. Après moi ce que j'attends de voir, c'est est-ce que je vais être hypé dedans, happé bah, comme je l'étais pour Morrowind, Oblivion, Fallout 3, tout ça, on va voir. C'est compliqué en ce moment, mais je lâche rien. Lâche rien ma biche, lâche rien, tout est au mental là. Les gars, on envoie des gros big up à Itinéraire Bis qui traverse une mauvaise passe. Là on lui envoie un Genki Dama d'amour les gars. Allez, mettez lui des petits messages dans le chat, ça va le booster notre Aurélien là. Salut mon Seb, salut Azuka, salut œil de lynx. Voilà. Allez, big up à toi mon Aurélien. Voilà, lâche rien, tout est au mental. Tout est au mental, je te jure. Allez, on est parti les gars. Moi, c'est de voir la gueule des planètes qui me hype. Ouais. Alors, de ce que j'ai compris, Nigel, quand on va atterrir sur une planète, ça va être une zone définie, en fait. Hein. On va pas pouvoir se promener sur toute la planète, a priori. Hein. De ce que j'ai compris. Hein. Donc après, c'est pareil, bah, sur Series S, on va voir comment il tourne. 4K, je suis pas équipé, ça m'attire pas trop. Ouais, 1080, bah, moi, c'est pareil. Hein. Moi, Alf, moi, du 1080, ça me suffit largement. Salut Boulder. Alors, allez les gars, on y croit. Salut Cadester. Alors attends, ouais, bah j'avais déjà fait une petite partie. Enfin, j'avais commencé plutôt. Est-ce que je peux l'effacer là? Bon, on va la reprendre. J'avais juste lancé le jeu pour voir s'il marche. Voir si tout était ok. Ah bah c'est cool. Donc vous voyez les mecs, il y a deux nouveaux persos qu'on peut débloquer a priori. Alors par contre, ouais, ils sont un peu chelous hein, les persos, je trouve. Lui qui a une gueule un peu d'alien, le flic là qui a une espèce de... Ouais, qui est une espèce de griffe là. C'est vrai que ça fait un peu les 4 fantastiques sauf qu'ils sont 3 là. Alors je viens de faire In The Hunt version Jap, ouais, ça n'a rien à voir avec la version Saturn. Bah il est plus fluide. Il est plus fluide, il y a quelques petits détails graphiques en moins mais c'est pas flagrant franchement. Franchement ouais. Alors, 4K pour les écrans de malade, ouais. Ouais ouais bah moi j'ai moniteur PC en 1080, ça me suffit largement. Salut Benjamin. Alors qui c'est que je prends? Qui c'est que je prends? Allez, on va prendre la fille, tiens. Salut, bah, Jules. Comment tu vas? Ouais. Moi, je suis en Italie, mais j'ai repris le taf en télétravail, ouais. Du coup, je me reconnecte sur Twitch, j'ai un tas de vidéos en retard sur YouTube. Ah bah, écoute, bah, Jules, tu prends ton rythme comme tu veux. Allez, on va prendre la meuf. Est-ce que ça va, niveau son? Attends, je vais peut-être monter un peu le son. Donc là, je suis sur la OneFat, les gars. Hein. J'ai pas branché la Series. Voilà. Alors.
Ok, donc là le jeu tourne en 30 FPS. Sur OneFat, sur Series S, je l'avais essayé, il était en 60. Bon, j'ai mis le stream en 60, c'est pas grave. Alors, ouais, donc sauter, attaque sauter, combo aérien. Alors, la nouveauté, voilà, la nouveauté, c'est que je crois que là, on a des combos aériens qu'il n'y avait pas là. Ouais, ça va, le son, c'est cool. Cyberpunk, ouais, bah dès que j'ai l'occasion, hyper synchrone, hein, moi, Cyberpunk. Bah, disons, quand j'ai mon pote Aladdin, il m'avait prêté le CD là. Je l'avais mis sur ma OneFat. J'ai dû y jouer genre 2 heures. Mais j'ai dit, ouais, c'est pas la peine d'y jouer dans ces conditions-là, tu vois. Donc du coup, je l'ai mis de côté, puis je lui ai rendu le CD. Ah, il a soulevé un objet, voilà. Mais ouais, enfin, Cyberpunk, moi, dès que j'ai l'occasion, hein, y a pas de problème. Alors attends, c'est Y pour faire les... T'as faucheux. Ouais, c'est attaque de zone. Les chopes. Voilà, c'est le B pour ramasser les objets. C'est vrai que ça fait bizarre d'y jouer en 30 FPS, là on a l'impression que je rame les mecs là. C'est un truc de fou. Alors. Voilà, une petite chop là, impeccable. Alors, ça tourne pas mal, ouais ça va hein, franchement. On va se le rafraîchir un peu là. Et puis demain, bah, si tout va bien les gars, on va se faire la coop... Coop Blue Shadow là avec... Avec la Misac, ouais voilà, là ils ont rajouté des jugules à donf. De mémoire, il n'y avait pas ça. Hein. Les flingues toujours aussi cheap. Alors. Au fait, t'as vu Turok 3? Ouais, j'ai vu Turok 3, c'est cool. Bah comme ça, ils ont fait le 1, ils ont fait le 2. Ils feront le 3. Je tenterai de demander un code. Je tenterai de demander un code, on verra bien. Surtout que bah, je l'ai jamais fait le 3, donc... là, ça sera grave le moment. Alors attends, ouais, faut que je me remette dans le bain là. Alors. On peut jouer. Ouais, Blue Shadow, on peut jouer à deux, ouais. C'est pour ça qu'on va le streamer avec. Avec Zach. Ouais, voilà, là on peut faire la torche. Alors. Voilà, donc là je cours avec la gâchette gauche. J'espère qu'ils vont pas se planter avec Starfield. Ouais, franchement, ça m'étonnerait. Œil de lynx là. Regarde, là pour le moment, enfin les premiers retours qu'on a, Momo JVM il est dessus là, ce qu'il va faire le test. Apparemment Momo, enfin de ce que j'ai entendu, il est à fond dedans. Hein. Donc Momo il serait pas déçu a priori. Voilà, puis les quelques autres retours que j'ai eu, ça, y a pas de problème, hein, je veux dire. Là le jeu il passe bien. Hein. Donc après faut voir la profondeur. Hein. Alors, bon bah c'est bien, on va streamer un petit BTA les gars là. Ah bah vous êtes 50 les mecs, c'est énorme là. Voilà, avec le B je peux renvoyer. Alors, Nijempo. Alors Nijempo qui a repris un abonnement, yes, comment que ça va? Je suis à la fin de Baldur's Gate 3, ouais. Cool, j'ai galéré avant le dernier boss, suffisait de s'enfuir de la dernière porte du château, ouais. Ah oui d'accord, porte de derrière, ouais. Je comprends pas, le jeu plaise pas à tout le monde, 80 heures, ouais. Ouais ok, bah Baldur's Gate 3, moi je sais qu'il m'intéresse pas, mais... Voilà, tel qu'il est. Par contre, je suis à la fin de Blasphemous, les gars. Blasphemous 2, là, je vais le... Je suis au dernier boss, ça y est, je suis au dernier boss, les gars. Je suis à 87%. Peut-être un peu plus maintenant, là, quand je vais reprendre la sauvegarde. Donc, j'espère pouvoir le terminer demain. Parce que, les gars, le dernier boss, c'est chaud, hein. Franchement, autant le jeu, ça va. Il y a un boss ou deux qui m'ont posé problème, mais dans l'ensemble, il est quand même plus facile. Blasphemous 2, c'est indéniable. Mais alors le dernier boss, les mecs, c'est un bur. Hein. Il a 3 formes. Je suis à la deuxième forme. La deuxième, ça a l'air d'être la plus dure. Donc j'espère le terminer demain. Comme ça, bah, si je le termine, et bah, comme ça, je pourrais faire la review que je sortirai dimanche. Salut Dimitri, bah oui, ça va, tout va bien. Ça baigne. Voilà, je gueule de ouf avec les armes. Alors, salut Avenox. Et apparemment, il est moins buggé que d'habitude. Ouais. Bah, niveau bug, ça a l'air d'aller, hein. Franchement, le Starfield, a priori, ça a l'air d'aller. Aux USA, beaucoup de personnes ramènent leur PS5 pour échanger contre une Xbox à cause de Starfield. Ouais, j'ai vu ça, Vincent, ouais. J'ai vu l'info passer, là. Alors, j'ai chié du sang pour le dernier boss, Blasphemous. J'attendais de voir ta réaction. Ouais. Ah, tu l'as fini, hyper synchrone. Eh, la deuxième forme, elle est chaude, hein. Franchement... Alors, est-ce que je peux passer là? Alors, attends, combattre. Ouais, c'est bon. Alors.
c'est qui m'emmerde sur le fixe là. Alors. Bon, ça c'est bon. Alors attends, hop. Je vais raccrocher. Voilà. Plus simple que Bloodborne, Blasphemous 1, ouais. Je vais en PSN, je me tâtais à le faire. Ouais. Oui, ouais, ouais, si quand même. Blasphemous, le premier, enfin. Donc ça sera Metroidvania sous like. Ouais, il sera plus simple que Bloodborne. Enfin, moi je trouve. Hein. Voilà, c'est du ressenti, mais oui. Le 2 est plus facile. Hein. Le 2, il n'y a pas photo, il est plus facile, à part quelques boss. Alors, on va essayer de prendre le flingue là. Voilà, boum. On va essayer de se débarrasser des sbires. Putain, il y a toujours des sbires là. Voilà, ok. Attention, je suis presque mort là. Attends, je vais me concentrer, les gars. Ah, il m'a cancel. Ah, ça y est, je suis dead. Ah, bah, ok, il touche ses potes. Ouais, un bon juggle là. Ouais, c'est bon là. Bon, faut que je me familiarise avec les nouveaux combos. Alors, tu es Rocco Siffredi du JV, ouais. Non, non, il est plus simple. Alors, salut requin, comment tu vas? Ça ressemble même au niveau des animatoons, ouais. Ah bah là, ouais, il fait très flash le jeu, hein. Je me suis refait les 3 Dead Space récemment, ouais. Bah moi, Dead Space, j'ai fait que le premier, les gars. Alors, moi, je suis sur Tunic, ouais. Je galère sur le boss de la forêt. Si quelqu'un a une astuce, ouais. Ah ouais, il est dur. Ouais, il est dur. C'est un des boss les plus durs, je trouve, Azuka, c'est normal. Mais il est génial, Tunic, hein. Tunic, il déchire. Je l'ai fini, mais j'étais pas loin de t'envoyer un message sur Xbox pour dire que j'abandonne. Ah, le dernier boss, c'est chaud, hein. Le dernier boss, enfin, la deuxième... Je suis pas à la troisième phase, encore. Là, j'ai dû faire 2 ou 3 essais, là. Ah oui, allez voir She-Wolf. Interroger. Ouais, vas-y, bah She-Wolf, c'est une nana qu'on va débloquer, je pense. Donc, non, la deuxième phase, c'est un mur, hein. Franchement, c'est un mur, hein. Alors. Ah, Tunic, vas-y, Aurélien, il est excellent, hein. Il est excellent. Alors, je voulais dire que ça ressemble aux animations de Sword 4, ouais. Je me demandais si c'était le même grain. Ah ouais, t'as vu, requin, ça ressemble pas mal à Sword 4, hein, je trouve. Hein. Niveau graphique, je suis d'accord, ouais. Est-ce que c'est le même graphique? Je sais pas. Mais en tout cas, ça ressemble pas mal. Hein. Ça ressemble pas mal. Voilà, alors. Niveau 2, Altered Beast. Ok. Je me suis on peut les frapper au sol. Alors, fais voir, attends, il n'y a pas un bouton de commande là? Option, attends, astuce de combat. Ah, voilà, exactement ce que je voulais. Alors, combo aérien, ok. Attaque sautée, ouais, avec le bas, d'accord. Prise, ok. Bloqué, ah oui, on peut bloquer, ok. Je me souvenais plus de ça. Charger, ouais, donc 2 fois avant. On peut le faire avec le L. Lancer un objet, attaquer avec une arme, ouais. Ah, Y, d'accord. Anti-triche, ok, d'accord, ok, c'est parti. Salut Golgot. La communauté PlayStation est trop irrationnelle, donc je pense que ça fera comme aux USA. Non, 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 je pense pas. Au States, c'est des zinzins au States, hein. Bon, puis c'est le pays d'Xbox, hein. Alors attends, ouais, j'ai un segment là. Voilà, ouais, faut faire une méga attaque pour cancel là. Voilà. Ah putain, il est plus dur que dans mes souvenirs là. Ouais, je pense que là, du coup, le jeu il est. Par rapport à mes souvenirs, il est devenu beaucoup plus technique. Ce même brawler. Tu vas stream Starfield Day One ou tu veux finir des jeux avant de te lancer dans cette aventure? Non, 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 là je termine Blasphemous 2, puis après j'attends Starfield. Si tout va bien, Venox, je vais l'avoir. On va l'avoir vendredi là. Voilà, j'ai reçu un mail du site où j'ai les clés et normalement je vais l'avoir dès vendredi là. Donc si je l'ai vendredi comme prévu, donc on fera un stream Twitch vendredi, puis samedi sur YouTube on fera une présentation et avis à chaud quoi. Voilà, en attendant une review. De toute façon je ferai pas de review tant que j'aurai pas fini la quête principale. Voilà, donc là disons que je vais me focus. Quand j'aurai le jeu, je vais me focus sur la quête principale. Je ferai peut-être quelques variations, on va voir. Mais voilà, c'est le programme que j'ai. Sur PC, quand les modes... Oui, voilà, non, bien sûr. Ah bah là, les modeurs,
Si c'est comme sur Skyrim et tout, les mecs ils vont se faire plaisir, hein. Mon super Soussou, comment que tu vas? Comment il va le super Soussou? Alors, prendre à l'avance pour toi, pour pas me spoiler. Bah disons que tu pourras regarder vendredi si tu veux, on fera le début, tu vois. Création de perso, voilà le début du jeu, tu vois. Et puis samedi, après y avoir joué 4-5 heures, on fera une petite présentation, un petit gameplay, tu vois. Sur YouTube, bah, pour montrer qu'est-ce qu'on, bah, comment le jeu il se joue. Et puis un avis à chaud, en fait. Voilà, bon, bah, on va, je vais éviter un max les spoils, t'inquiète pas. Alors, ce même brewer, juste un peu trop sage. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est un peu... un peu classique. Alors merde, je voulais le... Je trouve le takeover par exemple, il a plus de cachet graphiquement. Alors allez, je gueule, laisse tomber. Hein. Voilà, ok, c'est bon. Jessica Alba, ouais, dans machin là, dans les 4 fantastiques. Allez, on va reprendre de la bouffe. Ah bah ça va, je me suis bien remis là. Voilà, il y a des succès à foison là. Je l'ai pris sur PC, ça va être un bon défouloir. Ouais, c'est un défouloir. Oui, c'est carrément un défouloir. Hein. Merde. Ouais, donc faut pas que je reste. Ou alors attends. Ah putain, il me cancel direct lui. D'accord. Donc voilà. Aligarou, d'accord. Donc c'est un alligator loup-garou. Oh, l'impact des armes, c'est assez minable. C'est vraiment minable. Ok, ça s'est fait. Ah, ils sont pas morts. Allez, dégage. Alors, tip top, et toi, beau gosse? Bah écoute, ça roule, hein. Il fait moins chaud. Il fait moins chaud, là. Je stream sans la clim, les mecs, là. On est mieux. Ouais, ça, c'est bien. On peut, comme ça, on peut, je peux m'échapper de n'importe quelle situation. Là, il y a le bouton de parade. Bref, pas que j'oublie, là. Alors, là, il était pas mort, lui. Takeover, et merci, je défends sur côté kitsch. Mais il est cool, Takeover. Franchement, il est cool, hein. Alors, ça y est, t'as des jeux comme Starfield en avance, tu pèses dans le game. C'est un truc de fou, Venox, hein. C'est un truc de fou. On va voir, hein, voilà. Bon, après, sur le site qui met l'heure, voilà, en général, quand ils envoient des mails et tout, enfin, y a pas de... Voilà, y a pas de problème, hein. Donc, bah, je croise les doigts pour pas qu'il y ait de contretemps. De manière à ce que je puisse jouer à Starfield ce week-end. Ça va être super. Là, c'est Mou 2, je suis au deuxième boss, c'est chaud, j'adore, hein. Bah, pourtant, il est beaucoup moins dur que le premier, hein. Enfin, moi, je trouve, hein. Les trois premiers boss là, parce que quand on démarre le jeu, il y a trois boss à buter. Franchement, ça va, hein, ça commence à piquer après. Hein. Chez moi, il fait 12. Oh là là. Bah, nous, même cet hiver, hein, c'est pas prêt de faire 12, hein, c'est moi qui te le dis. Là, il va falloir attendre décembre ou janvier pour qu'on ait 12. Et encore, ça va être la nuit. T'as fait Arx Fatalis, ouais. Ouais, il est excellent. Il est excellent. Trop court, ouais. Ouais, bah, c'est une exclu Xbox d'ailleurs, hein. Je l'avais fait sur PC et puis ensuite je l'avais fait sur Xbox. Je l'avais pas fini sur Xbox mais je l'avais fait sur PC. Il est excellent, hein. Franchement, Arx Fatalis, super. Alors, un bon jeu que tu me conseilles sur 3-6. Bon, il y en a tellement. Eh, va voir mes ludothèques, Greg là. Bah, commence par les Bioshock, hein, les trucs comme ça. Là, t'as vraiment de quoi faire, hein. Ça fait trop BD, ouais. Ah, il est vachement BD, hein. Voilà, est-ce qu'il est cané là? Ouais, c'est bon, ça y est. Alors. Christina, we've been trying to reach you all night. Don't you ever check your phone? The nerve of this girl. What? Bon, vas-y, alors à passer là, voilà, on va combattre. Alors ouais, faudra un peu de vie. Je vais casser les tonneaux là. Ah, un poulax. Voilà, bien. Bon bah, elle est pas trop furieuse pour le moment là. Je suis en mode normal, hein, j'ai pas mis facile. Attends, ouais, y'a une autre arme là, t'es biche. Oh, ça enchaîne dur là. Oh là là, les jeux gueules. Ah, ça y est, les sbires qui arrivent là. Alors attends. Parce que là, elle est du coup, elle est vachement rapide la meuf là. Ah, là, c'est mis en bloc là. Ah, la salope! Alors, ok, je me suis
doucement. Allez. Ouais, c'est bon, ils ont pris cher là. Ça sent la review du Mayhem. J'ai déjà fait, hein, Alpha. Je l'ai déjà fait, hein, il y a longtemps sur la chaîne. Je le découvre pas là. Hein. Enfin, c'est limite une redécouverte, hein, parce que. Avec les mises à jour, il a bien évolué le jeu. Hein. Puis j'avais pas rejoué depuis, donc. Ouais, on va spammer. Ouais, est-ce qu'elle est stun là? Non, je crois qu'il est stun. Je vais spammer jusqu'à ce que l'autre crève. Regardez les gars, c'est génial. Boucle infinie. Allez, ça c'est fait. Merde, je vais lui donner des coups. Voilà. Kaboum! Ah mais merde, je pouvais la reprendre. Ah ça y est, c'est bon. Ouais, pour furieux le boss, hein, franchement. Alors, Hunted the Demon Forge. Ouais, il est cool celui-là, je l'ai fait, ouais. Ouais, il est fait, je l'ai fait, c'est un bon TPS, ouais. Je conseille à tout le monde un Elder Scroll Daggerfall, ouais. Ouais, Daggerfall, ça c'est le jeu que tu finiras jamais, requin. Bah, Greg, vas-y, sur 3-6, tu fais Skyrim, tu fais Oblivion, hein. Là, déjà, t'en as pour je sais pas combien de milliards d'heures, hein. Salut moi, comment tu vas? Bioshock, fais Bioshock, ça coûte rien en plus. Ah, on va passer les scènes là. C'est dommage qu'on puisse pas changer de perso là entre les niveaux. Alors, accepter son offre, hein, que pas se dénoncer, ouais. Alors, on doute de ton rôle dans tout ça. Bon, allez, on va faire accepter son offre, allez. Hop, succès rare, c'est parti. Je mange pas de poulax. Débloque She-Wolf. Ah, ça y est. Ah si, changer de héros. Ah, je l'ai pas vu. Je pouvais changer. Ah bah attends, on va changer après. Les bâtiments abandonnés. Dès que mon PC est dead, cherche un... Ah ouais, bah ouais, tu m'as dit, moi, ouais. Alors que je fais pas un JRPG, ça m'intéresse plus. Mais Sea of Stars, ouais. Ah, c'est aujourd'hui qu'il arrive, ouais. Ah bah, ouais, je sais pas si tu vas le finir avant Starfield, hein. Ou alors faut que tu joues comme un ouf. Mais du coup, si tu le lances, Venox, tu me donneras ton avis, parce que... Je voulais me le faire aussi le Sea of Stars moi, après Starfield. Parce que franchement je suis pas JRPG, je suis plus JRPG mais il me tente bien. Franchement il me tente bien le Sea of Stars. Salut Wariyoshi, comment tu vas? Alors bah d'où elle a pas ramassé l'arme là? Ouais, tiens faut que je tente les juggles en l'air là. C'est vrai que c'est un peu trop sage niveau ambiance là. Allez, ah merde, je voulais lui balancer le schlass. Allez, voilà, faut faire avant. Allez, c'est bon là. Salut Julien! Bon que ça marche. Ouais, voilà, juggle là. Allez, franchement, ils sont pas furieux les ennemis. Hein. Quand j'y ai joué la première fois, je me souviens d'époque, c'était. Aussi mollasson. Alors, graphiquement il m'attire bien. Ouais ouais moi pareil. Bah en fait ça me rappelle, il me rappelle Chrono Trigger hein. C'est clairement voulu puis ça marche. Parce que bah, pour que j'ai envie d'y jouer faut que ouais faut y aller quand même. Prochain jeu Sabotage Studio ce sera The Messenger 2 ouais. Ouais après le Sea of Stars ouais bah on verra ouais. Ça ressemble un peu à Street of Rage 4. Ah bah graphiquement carrément. Graphiquement ça ressemble beaucoup même hein. Ok alors attends. Voilà juggle. Oh putain one shot là. Allez hop au revoir. C'est ouf on trouvera jamais les représentants de la rue violente que dans Crime Fighters ouais. Bah ça je l'ai pas fait le Crime Fighters. Tu vois c'est pareil requin là. Bah la perspective elle est un peu chelou là. Avec le camtar là c'est un peu mal dessiné. Alors, ok, doucement. Voilà. Alors, je pourrais enfin jouer aux jeux indés récents et trouver la modernité. Ah bah oui, oui. Là, moi, des jeux indés modernes qui sont bons, t'en as des caisses. Hein. T'as de quoi faire. Hein. Démo de Sea of Stars, ça m'a pas tenté plus que ça. Retourner les vieilles mécaniques RPG, ouais. Bah, faudra voir Azuka, ouais. Ouais. Parce que moi, c'est peu que les combats, ça me saoule un peu. Mais le fait que ça soit des combats un peu à la Chrono Trigger, ça me gêne un peu moins. Alors, je sais pas si on va le finir dans le stream là, je me souviens plus la campagne.
Comment elle est longue ou pas. Bah ouais, ouais, le fait qu'ils ont ajouté des juggles, c'est cool. Hop, un petit hot dog. Ah bah allez hop, enfin, c'est pas one shot mais presque hein. Alors ça vaut pas Torque Ninja sur Mega Drive. Ah bah c'est différent. Faut bien changer un peu de temps en temps. Merde, j'ai pas réussi à les enchaîner là. Et merde. Oh là là. Ouais, j'aurais pu. Merde. Voilà, merde, j'ai pas réussi à l'avoir avec. Ah la salope. Allez, c'est bon, je l'ai eu. Alors ouais, bah là il me faudrait de la bouffe, je suis à deux doigts de crever. Après ton stream, je m'arrache acheter du coca. Quand je regarde des séries, le coca ça porte un petit plus pour moi. Ouais, bah t'as l'impression d'être aussi noche. La vraie violence de la rue, c'est Skinny et Franco, ouais. Alors ouais, bah je sais plus qui m'a dit non, mais faut que tu lui redonnes une chance. Apparemment il est bien et tout, quoi. Bon, bon je veux bien le croire, hein. On est peut-être passé à côté de quelque chose, hein. Je veux bien le croire, les gars, hein, mais j'ai vraiment du mal à y revenir, hein. Alors, pas faux, hyper synchrone, mais c'est moche, ouais. Des mecs programmer des trucs aussi moches, ouais. Alors, tu parles de quel jeu, là, requin, là? Attends, il y a de la bouffe, là. Ouais, ça va, le hot dog, il m'a sauvé, là. Ah, bah ça, je l'ai cancel avec la shop, elle, là. Hop, là, pareil. J'ai réussi à me dépatouiller. Allez hop, 4 coups de crochet, c'est terminé. Ah, up the irons. Référence à Iron Maiden. Élimine 10 ennemis à n'importe quel âme au corps à corps. D'accord, ok. Ah, Skinny et Franco, ouais. Ouais. Bah, je sais pas, t'y as joué toi, requin là. Essaye-le, requin, si t'as l'occasion. Le Skinny et Franco, parce que franchement, requin, j'aimerais bien avoir ton. Si t'y joues, j'aimerais bien avoir ton avis là. Je veux bien admettre qu'on soit passé à côté de quelque chose. Hein. Ça, y a... Alors, putain, graphiquement. J'ai vraiment du mal, hein. Bon, on va faire les mêmes routines là. Merde. À essayer. Bah, ça marche, requin. Bah, tu me diras. Parce que là, franchement, ton avis m'intéresse. Si tu joues, tu me dis, vas-y, y a quelque chose à en faire. C'est à creuser et tout. On va considérer le truc. Alors, attention là, où est-ce que. Ok, il se téléporte. Voilà, ok, ouais, je savais pas le timing là. Merde, j'aurais dû. Voilà, foncer, merde. Ok. Ah putain, j'ai failli faire la chope. Merde. Ah, ça y est, il m'a niqué. Alors. Alors, par contre, j'ai regardé The Meg 2 hier, les mecs. Alors, j'avais bien aimé le premier, moi, The Meg. Ah, le 2, ouais. Je suis pourtant bon client, mais c'est vraiment pas terrible. C'est vraiment pas ouf. Hein. C'est dommage, il y a des bonnes idées, mais le scénar, il est vraiment à chier, quoi. Et merde. Pourtant, le premier, il m'avait bien éclaté, hein. Alors, on va y aller au schlass, là. Voilà, oh, il a pris cher, là. Ouais, ok. Et merde. Alors, Nosferatu, qu'est-ce qu'il fout, là, lui, t'as vu, c'est... Ah, putain, bah, hello, t'as va. Ah merde, ouais, ça va être chaud là. Mais pourquoi elle a pas pris le... Ah putain, bah oui, parce que l'autre... Gérer deux ennemis comme ça en même temps, c'est chaud là. Ouais, ouais, ah, il a pris cher lui. Ok, alors, vas-y. J'ai plus d'attaque spéciale. Ah, il est presque mort. Ouais, c'est bon. Coup de pied dans la gueule. Je connais pas ce film. Ah bah Azuka, tu regardes le premier, c'est en eau trouble. Franchement, il est rigolo. Alors le deuxième, putain. Oh la pute. La vraie violence de la rue, c'est des gigs dans les rues de Vendée. Vu mes zones. Tellement personne là-bas. Alors j'ai acheté un câble de fou pour ma Saturn. Plus cartouche 4, méga, je revis. Ah bah c'est cool. Tiens, on va essayer la nouvelle perso là. Allez, on va passer tout ça là. Ok, alors. Entrée sous la statue. Entrée par les rails. Une forte activité de lycanthrope, ouais, ouais. Allez, on va aller sous la statue, là. Je vous laisse, bonne fin de soirée à Bibac. Ça marche, moi, enfin, des gros bisous à toi. Merci d'être passé, merci pour le...
les subs offerts, mon Alf, ça fait super plaisir. Alors, bah tiens, on va prendre She-Wolf. Voilà, comme ça on va découvrir là. Hop, on va essayer. Skinny et Franco, c'est le best beat. J'ai du mal à le croire, Alf, mais bon. Je veux bien laisser la place au doute. Salut Ubas, comment tu vas, mon Hubert? La forme? Ça fait plaisir de te voir sur Twitch, ma biche. Alors. Ils ont tous à peu près la même liste. Voilà. Ouais, je pense qu'à deux, ça serait quand même plus cool. Ah ouais, là, un petit coup de pied enflammé, là. Ok. Ok, bien. Ah, double cancel, là. Plaisir partagé. Bah, c'est cool, mon Hubert. C'est plaisir... Plaisir de te voir là. J'aime bien le côté comique de ce jeu, ouais. Ouais, tu parles le côté BD, ouais. Bah là, il fait très BD, ouais. Avec les petites scènes cinématiques sous forme de BD là. Il est sympa, hein, franchement. C'est pas le meilleur beat, hein, ce Mayhem Brawler, mais il est sympa, hein. Voilà, pour peu que. Pour les adeptes du genre, les gars, ça peut être une bonne pioche, hein. La méga attaque, elle se transforme en loup-garou. Musique sont cool, ouais. Bah il est beau, ça va, ouais. Ça dépend si on accroche un peu à ce style de graphisme. Parce que je veux bien croire que ça plaise pas à tout le monde. Moi au début j'étais un peu sceptique, puis bon bah après le gameplay était là, donc... C'était pas la panacée des... Merde, des beat'em all. Mais la base est là. La move list est suffisamment grande. Pour qu'on s'amuse. Et les armes ça rigole pas, hein, putain. Alors il y a juste, c'est dommage qu'on puisse pas frapper les adversaires au sol. Ça aurait dynamisé le rendu l'action plus dynamique. Bon par contre du coup qu'il y ait des juggles aériens, ça... parce que ça il y avait pas ça, hein. Moi quand j'y avais joué Day One je me souvenais pas qu'il y avait ça, hein. Donc je suis sûr qu'ils l'ont rajouté. Ouais les armes à feu sont vraiment minables, hein. Ouais faut faire gaffe aux priorités des ennemis en fait, c'est tout. Alors, j'ai fait que mon fils 11 ans, j'avoue qu'on a passé un très bon moment. Ah bah c'est cool, Steven. Bon bah ça, oui, avec un gamin, ça passe tranquille, hein, normalement. Surtout, c'est pas violent. Voilà, c'est un petit BLT sage, hein, en fait, on va dire. Ah, attends, on va priorité au flingue, là. Voilà, ça c'est fait. Ouais, ok. Donc, dès que l'ennemi qui part... Voilà, ok, priorité à l'ennemi. Faudrait que j'essaye le bouton de... Il y a un bouton de garde quand même. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à faire des gardes. Voilà, dans les BLT, ouais. Yo mon Ilian, comment tu vas? Il y a combien de niveaux? Bah en fait là, il y a le mode campagne, tu vois, puis à chaque fin de niveau, j'ai le choix de chemin. Donc franchement, il doit y avoir un bon paquet de niveaux, hein. Une quinzaine, je dirais, là. Parce que là, toi, niveau 4, à mon avis, le mode campagne, ça fait entre 6 et 8 niveaux, tu vois. Je sais plus, mais... des niveaux, je dirais qu'il y en a une quinzaine, ouais. Et voilà, tiens, il y a la profondeur, les gars. Ouais, si je fais deux fois bas, deux fois haut. Voilà. Je te vois, comment que tu vas? De mémoire 6 ou 7, ouais, tout dépend du chemin. Ouais, voilà, bonne rejouabilité, c'est ça, ouais. Parce que le mode histoire, oui, on peut le refaire de différentes manières avec les choix qu'on fait et tout, quoi. Ça, c'est cool. De ce côté-là, il a une bonne rejouabilité, ouais. Ça ressemble à Street of Rage 4, ouais. Graphiquement, carrément. Carrément. Mais il est plus il est plus classique. Il est moins axé combo que Street of Rage 4, quoi. Il est plus classique dans son gameplay, quoi. Alors, oula. Alors, ça va Ilian, bien rentré là, t'as repris le boulot, ça y est là. Street of Rage, Mega Drive, ouais, avait l'air plus violent que ses loupards. Bah ouais, mais en fait, c'est ça, Nijempo, tu vois, c'est que... Regarde, tu vois, le jeu, bah, il est beau, là. Bon, je veux dire, on aime ou pas le style graphique, tu vois, un petit peu comique, tu vois, quoi, mais comme disait Hyper Synchrone, il est un peu sage. Tu vois, au niveau de son ambiance, c'est un peu sage. Par rapport à un Street of Rage 1, où on sentait bien l'aspect crasseux de... Bah, des rues, déjà, ça se passait de nuit, souvent. Là, tu vois, ça se passe de jour. Voilà, et c'est Tortue Ninja, directement, là. Et puis voilà, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de... On a pas l'aspect crasseux de la ville, hein. Oh, il a pris cher là.
Mais déjà, le fait que ça se passe deux jours, ça change pas mal l'ambiance, les mecs. Hein. Parce que c'est vrai que Street of Rage, faut pas oublier que ça se passe de nuit. Hein. Dommage, trop copié sur les Turtles, ouais. Bah, il est sorti avant Turtle, hein. Il est sorti avant Turtle, hein, Alf. Hein. Alors, Mash et Dro, c'est parti pour une année. Eh bah ouais, bah bon courage, ma biche. On va bientôt se revoir, mon Ilian. On va bientôt se revoir. Voilà, j'en dis pas plus. Mais tu vas me revoir plus vite que prévu. Alors, on va essayer de... Ouais. Ah ok, il a buté son pote, très bien. Voilà, but je gueule. Voilà, impeccable, vas-y, bute ton pote. Enfin, les armes à feu, c'est vraiment minable. Hein. T'as vraiment l'impression que c'est... C'est presque un pistolet à eau, le bordel. Hein. Allez, je vais faire une chope, là. Ouais, ok, il cancel, là. Oula, oula, il m'enchaîne. Ouais, là, je vais enchaîner. Ouais, ok. Ah ouais, d'accord, avec la glissade, je peux le toucher. Voilà, il a pris cher. Ok, ah, troisième phase. Ah, il va appeler ses potes. Ah oui, carrément, ouais. Il a trouvé des sangliers. Alors, ouais, ça va. Et franchement, ça se passe bien, là. Franchement, je lui mets cher. Hein. Oh la vache, comment j'ai géré la troisième phase là. Je sens la combe à Fréjus, c'est bon ça. Je dis rien, Eliott. La musique aussi sur un fait beaucoup. Ah bah oui, carrément. Alors Ubas, par rapport à Final Vendetta. Ah, je préférerais Final Vendetta, moi. Il a... Alors lui, il est plus complet, tu vois. Il y a plus de personnages, là du coup, avec 5 maintenant. Il y a une meilleure rejouabilité dans le mode histoire avec le, bah, tous les embranchements de chemin, donc il y a plus de niveaux, il y a plus de contenu, hein, tu vois. Mais au niveau feeling, je vais préférer Final Vendetta. Ouais. J'ai jamais acheté Final Vendetta, il y a un truc qui m'a refroidi. Ouais. Bah Steven, franchement, si tu le vois passer à pas cher, tente-le, hein. Tente-le parce que t'es pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Alors, désolé, mais puisque t'as 18 ans, tu as assumé les conséquences de tes actes. Ok, l'arrêté. Allez, maintenant, du balai. Bon, on va prendre le deuxième, là. Allez. Final Vendetta, c'est du vrai beat à l'ancienne. C'est ça. Ah bah, voyez, les gars, ouais. Il y a encore 3 niveaux à faire, là. Allez, changer de héros. Et on va prendre le gros, là. Alors, voilà, on va prendre le gros. Alors, attends, elle est où, Moumoun? Je crois que Moumoun... Allez, on va prendre le gros. Alors, Final Vendetta, je confirme, de la bombasse, ouais. Non, franchement, t'as Steven, tu vois. Je vais me laisser tenter, vous m'avez réchauffé, là. Toi, si t'as l'occasion, franchement, si t'as l'occasion de mettre la main dessus à pas cher, vas-y. Vas-y, parce que c'est vrai que de prime abord, hein. De prime abord, il est pas engageant. Ah, ça, même moi, hein, franchement, j'étais... Enfin, regarde le stream découverte. Regarde le stream découverte que j'ai fait sur YouTube. Parce que j'ai fait 3 runs avec les 3 personnages, du coup. Je partais, mais alors... pas pessimiste, mais genre, ouais, bof, quoi. Voilà, les gars, on a mis les pieds dans un traquenard, là, tu vois. Bah, tu regarderas la fin du stream, j'ai dit, bah, franchement, tu verras mon avis évoluer tout le long du stream. Et bah, tu verras, et ouais, franchement, super cool, au final, ce Final Vendetta. Moi, j'ai adoré, hein. Et il y a du challenge, hein, parce que le finir en ultra difficile et tout, faut y aller. Hein. Même avec le level select. Hein. Je suis bon client de BTA. Et franchement, si t'es bon client de BTA, Steven, et puis que tu cherches une bonne vibe années 90, parce que en fait, c'est ça Final Vendetta, tu vois. Il est tout pourri, il est mal fait, il est tout ce que tu veux. Mais il pue les années 90, quoi. Même au niveau de son gameplay, le gameplay il est super. Hein. Tu vas voir, il y a que 3 personnages, mais ils sont vraiment. Ils sont vraiment tous complémentaires, hein. Voilà, les juggles. Ah putain, il m'a cancel, l'enfoiré. Ok. Des maths, ouais. Ouais, voilà, si vous voyez ce que je veux dire, ouais, c'est ça. C'est ça, moi, ouais. Mais moi, enfin, franchement, j'étais pas du tout emballé, hein. Moi, Final Vendetta, j'étais pas du tout emballé, hein. Puis, bah, les gars, je l'ai même mis dans mes tops... Il est même dans mes top 2000
2022, hein, donc c'est pour dire. Allez. Ouais, donc faut vraiment pas se tenir devant un ennemi quand il se relève, parce qu'il est toujours prioritaire. On le fait ensemble, ma couille, de bon souvenir. Ah bah oui, t'y avais joué, toi. Ouais, on y avait joué ensemble, Ilian. Bah oui, c'est vrai, ouais. Ouais, t'avais adoré, hein, tu pouvais pas lâcher la manette. Quand t'étais venu à la maison, là, tu pouvais pas décrocher, là. Non, il paye pas de mine. Il paye pas de mine, ce Final Vendetta, mais franchement... il est addictif. Voilà, c'est le terme, hein, il est addictif. Voilà, c'est bien, j'aime bien les reprises, là, avec les... Il y a des bonnes possibilités de combo maintenant là. Bam, regarde là. Voilà, est-ce qu'ils ont pas cané lui. Attaque de zone. Allez, ça c'est fait. Ah, les flingues. Non, mais c'est vraiment minable les flingues dans ce jeu. Alors, sur Neo, t'oublies, ouais. Bah, moi, bon, j'aurais bien voulu le prendre sur Neo, mais c'était trop cher, hein, faut déconner. Par contre, le design est cool, mais il ressemble aux ennemis, ouais, ça rend pas... Non, ça va, Venox, parce que... Non, je le confonds pas, mon perso, hein, franchement, ça va. Enfin, celui-là, hein. Alors, genre, ouais. Ah bah, vas-y, si t'as un Steam Deck, hein, vas-y, teste-le, teste la démo gratuite, hein, si tu vois ce que je veux dire, Steven. Allez. Ah, il est stun lui. Alors faut que je fasse gaffe, j'ai que deux vies là. Ah bah oui, c'est vrai, il a le marteau pilon lui. Oh putain. Allez, c'est bon ça. Ouais, les armes ça rigole pas, hein. Putain, là t'as vraiment ça fait vraiment mal, hein. Alors très bien. Donc demain ça va être Blue Shadow avec Zach si tout va bien. Je l'ai pas refait les mecs, hein. On va le faire à froid. Là on va vraiment sortir les bites et le couteau, on va le faire à froid. Je sais pas si Zach va le refaire avant. Bon, je vais peut-être remater mon One Life pour le rafraîchir. Parce qu'il y a des trucs qui vont me revenir sur place, puis d'autres que j'aurais oublié, c'est sûr. Genre le dernier boss, son pattern, j'ai oublié. C'est sûr. Ouais, attention, j'ai plus qu'une vie là. Alors ouais, deux ennemis éloignés, faut faire attention. Steam Deck ça vaut un bras, ouais. Bah je crois 300 balles il me semble, 300-400 balles. Enfin ça dépend avec combien de mémoire tu le prends, quoi. Ben, c'est dommage qu'il perde pas plus d'énergie avec le marteau pilon là. Voilà, allez hop. Blue Shadow, mais quel jeu. Bah demain en stream. Demain en stream mon Julien, en coop avec Zach. Et en plus, j'ai jamais fait à deux les mecs, hein. J'ai jamais eu l'occasion de le faire à dessus là. Donc franchement ça va être super de le faire avec Zach. Puis bon bah du coup que il y a un remake qui sort, c'est bien parce que ça va le faire découvrir à beaucoup de monde. Puis là ça va être un vrai remake 16 bits. Alors après faut voir, hein, si ça va pas faire trop copier-coller. Apparemment ils ont dit qu'ils allaient ajouter du nouveau contenu, quoi. Ouais, Ubas, ouais, remake, ouais. Donc bah on va voir ça, ouais. 1cc, ouais, tu l'as 1cc, ouais. Moi j'avais réussi à le One Life. Il est pas évident, mais il est tellement bon. Bah moi après, si t'as un nouveau PC, c'est bien, on pourra faire des coops aussi là, tu vois. Ça va être sympa là, tu vois. Il y a du challenge, ouais, il est pas évident, hein. C'est pas le jeu le plus dur, mais tu vois, par exemple tu le compares à Ninja Gaiden, enfin il est niveau de challenge, il est beaucoup mieux que Ninja Gaiden. Voilà. Console portable qui émule tout. Ouais bah c'est un PC portable le Steam Deck, hein, franchement. Pour un mec qu'on a l'utilité, je pense que le fric il est vite amorti, hein. Allez. Voilà, attaque de zone. Je me suis acheté Kabuki grâce à. Ou à cause de toi. Ah ça y est Julien, t'as le Kabuki, il est excellent Kabuki. Ça c'est un must-have de la NES. D'ailleurs il y a une vidéo en stock, hein, sur Kabuki là. Review One Life. Allez, merde, j'étais trop loin pour l'autre là. Ouais, c'est ça. Moi, Ninja Gaiden, il est trop pute. J'aime bien de base, hein, mais pff, tel qu'il est, j'ai pas envie d'y revenir en fait, quoi. Blue Shadow, ouais. Blue Shadow, je reviens dessus sans problème. Le Ninja Gaiden sur Game Boy, pareil. Master System, pareil. Mais celui de la NES, non. Celui de la NES, j'ai pas envie d'y revenir.
Salut Guillaume, comment tu vas? Ça fait un moment que je suis pas passé. Bah ouais, ça fait un moment qu'on t'a pas vu, ouais. Nigeria est génial aussi, il faut juste le farmer comme un porc. Ouais, mais c'est chiant, tu vois. Au fait, t'as continué Blasphemous 2? Bah, je suis à la fin, Steven. Je suis au dernier boss, là. Très dur, hein. Putain, le dernier. Autant le jeu, Bon, franchement, il est mieux que le 1. Blasphemous 2, il est mieux que le 1, les mecs. Hein. Franchement. Il est mieux que le 1. Sur à peu près tous les termes. Il est plus facile. En fait, le premier, c'était un Souls-like Metroidvania. Là, c'est un Metroidvania jeu d'action. Un petit peu typé arcade. Donc déjà, ça change. Il est plus direct, plus linéaire. Il y a moins besoin de backtracker que dans le premier Blasphemous. Les boss, franchement, ça va. Il est beaucoup plus facile. Enfin, beaucoup plus. Il est plus facile. Il y a quelques boss. Attention, s'ils sont compliqués, Pierre. Le dernier boss, attention. Hein, le dernier boss, les gars, c'est un mur. Hein. Le dernier boss, c'est un mur. Hein. J'ai plus à battre maintenant. Et c'est vraiment compliqué. Hein. Là, je suis arrivé à lui là un quart d'heure avant de lancer le stream. Donc j'ai fait quelques essais, mais très compliqué. Hein. Putain, le dernier boss, ça va être très compliqué, les mecs. Hein. Ouais. Bah tiens, qu'est-ce que t'en penses, Hyper Synchrone, là? Tu l'avais fait aussi, le 1, là? Tu le préfères au 1, le Blasphemous 2, là? Moi, pour moi, il est mieux, hein. Franchement, c'est cool, hein. Là, on parle de Guillaume, on parle de Blasphemous, là. Sinon, le jeu, c'est Mayhem Brawler, là. Puis là, j'étais à 87% hein, du Blasphemous 2, donc j'ai pas tout récupéré, mais pas loin, hein. Pas loin, hein. Dernier boss dans Undone était sympa aussi. Ouais, il est chaud, Undone. Hein. Mais Undone, il est plus régulier dans sa difficulté. Tandis que Blasphemous 2, tu roules sur le jeu, ça va. Ça va, juste qu'il y a quelques boss qui pètent couilles, sont pètent couilles. Et Blasphemous 2, GOTY 2023. Non, Julien. Non, il est bien, il sera dans les tops. Il sera dans les tops, ça, voilà, il n'y a aucun problème. Mais en indé, je pense que je vais rester sur After Us. After Us, il m'a mis une putain de claque. Hein. After Us, les mecs. Alors, quand je vois qu'il a pris des mauvaises notes, genre 5 sur 10 à IGN, tout ça. Enfin, en gros, le jeu il s'est fait tailler, hein, le After Us. Hein, mais franchement, c'est une bombe. Merde, moi, cet After Us, j'ai adoré. Hein. Là, pour le moment, ça sera mon GOTY 1D. Hein. Alors, à moins une autre bonne surprise. Il y a le Last Face. Hein. Attention, il y a le Last Face, les mecs. Hein. Je pense que là, potentiellement, le Last Face peut détrôner le After Us, à voir. Last Face, c'est en octobre-novembre, je crois. Donc, à voir. Voilà, le Last Face, on va attendre que ça sorte. Et on va voir ce que ça donne. Le Last Face, c'est un peu genre pixel art Blasphemous, mais il a l'air d'être plus Castlevania, quoi. Putain, comment il m'a enchaîné, là. Ouais, faut que je me débarrasse de lui, là. Ah merde, j'ai plus d'attaque spéciale, merde! Ah putain, j'ai pas pu la choper là. Voilà. Oh, c'est tout ce qu'elle a perdu là? Oh, c'est abusé. Ouais, faut vraiment y aller au juggle. Hein. Ouais, faut y aller au juggle. After Us, encore un jeu qui a. Bah, réhabilité, franchement, il mérite. Hein. Franchement, il est excellent. Alors, je veux bien qu'on accroche pas et tout, y'a pas de problème, quoi. Mais de là à dire que c'est une merde et tout, non, je suis pas d'accord. Pas d'accord, hein. Franchement le jeu non. Je pense que je vais la débloquer là. Allez. Ouais, attention, ouais, ça va, j'ai deux vies. Allez. Ah putain de merde, faut que je fasse gaffe là. Ouais, je pense que ça va le faire. Allez, oh c'est bon. Je suis passé à la Blanca. Les égouts adorent ça, ouais. Ouais, encore là-dedans ça passe. Ça va, c'est qu'un niveau. Ça ressemble un peu à Street 4, ouais. Ah bah oui, non mais ça ressemble à Street 4, hein, les gars. After Us, on avait senti le coup de cœur lors de la review, ouais. Mais ouais, enfin moi j'ai adoré les mecs. Hein. Voilà. On a le droit de pas aimer, on a le droit de pas être d'accord. Y a pas de problème. Mais c'est pas une merde, je suis désolé. Il a des défauts, y a pas de problème. Mais non, enfin je veux dire, c'est pas du 5 sur 10, faut pas déconner. Les nouveaux jeux sortent encore sur la One. Ouais, alors y a encore des jeux qui sortent sur One et PS4, mais là ça sent la fin, moi, hein, quand même. Eh, déjà, la One, parce que là je suis sur la One, les mecs. Hein. La One, pour lancer Mayhem Brawler, elle a joué sa vie, hein. Je veux dire, pourtant, c'est Mayhem Brawler, merde, hein. C'est pas un jeu en 3D, hein, tu vois. Alors, allez voir Enchantress, ouais. Ok. Allez voir Vovoida. Alors, on va faire Enchantress, elle a une bonne gueule. Alors, est-ce que j'ai débloqué l'autre fille, là? Ah, voilà, changer de héros. Est-ce que j'ai débloqué l'autre meuf, là? Non.
Bah ça doit être une autre alors. Alors on va prendre lui là, on l'a pas pris encore. Pourquoi t'es pas sur la Series S? Bah je l'ai laissé dans le salon, je voulais pas la débrancher. Puis là j'ai laissé la One à côté du PC, branchée sur le boîtier de capture direct. Comme ça bah tu vois quand je veux streamer des petits jeux indés comme ça, la One elle fait encore le job. Encore. Pour combien de temps je sais pas mais... Voilà. Ils sont en retard sur les sorties pour prétendre sur GOTY. Perso au jeu de l'année c'est Undawn mais je suis pas à jour. Ah bah Undawn oui il est pas sorti il est pas sorti cette année Undawn ouais. Mais Undawn il a les candidats pour il a tout pour être un candidat GOTY hein. Ça y a aucun problème hein. Ah oui il était pas mal lui. Ouais je me souviens il avait un look un peu bizarre là. Mais il a un bon feeling en fait ce mec là. Allez j'ai pris un hachoir, ça va chier là. Sur PS4 ça... Oui ça sent la fin mais... Ouais bah c'est logique hein les gars hein. Bah déjà la PS4 là elle va avoir une ludothèque de bâtards hein je veux dire. Et puis tout se prolonge sur PS5. Donc c'est cool quoi. C'est la FAT ouais, j'ai passé enfin quand j'ai acheté la Series X ouais. Ça fait beaucoup de bruit. Bah là je l'ai... Ouais c'est ma FAT hein. Elle fait pas de bruit hein. Franchement Elle est très longue à s'allumer, faudrait que je nettoie le cache là. Je me souviens plus comment on nettoie le cache, je crois qu'il faut l'éteindre en maintenant le bouton d'allumage enfoncé. Et puis ensuite débrancher la lime, hein. Il me semble que c'est comme ça les mecs. Hein. Qu'on nettoie le cache de la console. Ah il est pas mal ce mec hein. Ouais, celui-là. Merde. Alors, hop, on va prendre le bidon là. Il commence à faire chier ces deux-là là-bas. Voilà. Ouais bah oui puis ce gars avec ses griffes il provoque du saignement en plus. Regardez là, la petite goutte de sang là au-dessus du mec là. Allez on va y aller au hachoir là. Ouais, franchement c'est peut-être le meilleur perso lui. Ce gars là. Il a un bon feeling là. Hier j'ai vu la PS5 à 775€ au Virgin Buved. Ouais mais il y a les taxes. C'est à cause des taxes, nous on a la même chose en Tunisie. Il y a quasiment 100% de taxes sur les machines. Ce qui fait que bah, quand tu les prends dans des magasins genre Carrefour, trucs comme ça, bah, elles sont quasiment au double du prix quoi. Dans des boutiques indées, t'arrives à les trouver à des prix à peu près comme en Europe quoi. Alors éteignez votre Xbox One une fois que l'indicateur lumineux situé sur le devant hein, et que le bleu hein, situé à l'arrière sont éteints. Débranchez ce dernier, passez un, hein, rebranchez. Et allumer là. Ouais mais je crois qu'il faut maintenir le bouton. Faut laisser son doigt sur le bouton il me semble Julien. Je crois que c'est ça, faut que je laisse mon doigt pendant 30 secondes. Et ensuite je débranche la prise. Je vais essayer en éteignant la console là. Parce que en nettoyant le cache après elle va... Merde elle sera peut-être un peu plus souple au démarrage. Merde j'ai loupé là. Allez dégage là. Allez. Ah merde, c'est vrai qu'ils sont leur boule de feu là. Allez je me sauve, bonne soirée, ça marche mon Steven. Bise à toi. Et puis bah tu repasses demain pour Blue Shadow si tu veux. C'est ça ouais, comme j'avais bah, c'est, je voulais voir. Ouais, ok. Alors. Ah merde, il m'a cancel. Hein. Allez, je gueule de ouf qu'il y a quand même dans le jeu là. Alors. Et merde. Ah oui, il se téléporte en plus là. Ah oui, ça y est, les KO. Ah merde. Remnant 2. Alors. Ah non, c'est pas mon truc ça, Ubas là. Oh, ils ont pris cher là. Et merde. La FAT c'est tellement long pour lancer un jeu. Bah, c'est ça, ouais. C'est ça. Là, pour le Mayhem Brawler, elle a joué sa vie, hein, la One FAT. Hein. C'est un truc de fou alors que c'est Mayhem Brawler, hein, je veux dire. C'est pas du triple A, hein, merde. Hein. Gros confort. Ah oui, hein, mais le quick résume, ouais. Puis bon bah la série S tout ça s'allume rapidement, les jeux restent en mémoire, le quick resume et tout, c'est super confortable à jouer hein, ça c'est... Ça y a pas à chier les mecs hein. Ah oui c'est un laboratoire je crois ici, attends je crois que je me souviens.
Alors, salut petite pelle, comment tu vas? Eh ouais, c'est la bagarre là. C'est la bagarre ce soir. Avec ce meilleur brawler là. Wannes, ça peut peut-être faire le job. Ouais. Eh franchement, une Wannes, combien que ça coûte? Moi je dis, si c'est plus de 60 balles, les mecs, c'est du voleur. Ah putain, il m'a encore cancel là. Voilà, on va prendre le hachoir là. Voilà, ça c'est fait. Alors, bon, une One S, normalement, ça coûte plus rien. C'est, ça doit même coûter moins cher qu'une une Xbox 360. Ah, il est revenu, lui. Attends, ils sont deux ou quoi? C'est pas le boss, là. Est-ce que c'est le boss, là? Bah non, il n'y a pas la barre bleue du boss. Alors. C'est plus de 60, autant prendre une série S, ouais. Une série S, je pense que d'occasion à 150 balles, t'en as une. Hein. Tu prends une série S avec le Game Pass, là, avec ça, t'es bon, hein. Franchement. Moi, les gars, j'en suis. Bah, si t'as pas besoin de 4K, là, moi, ma série S, j'en suis. Très content, hein, franchement. On va enchaîner, lui. Ah, putain. One X. Une One X 140 balles. Ouais, autant prendre une série S, franchement. Ah oui, merde, c'est l'autre bouton là. Alors, j'envoie une à 120, une série S sur le bon coin. Ah bah, faut voir si elle marche, moi, y'a pas de raison. 120 balles, eh, c'est moins cher qu'une One X, c'est un truc de fou. Hein. Alors, moins de 150 sur le bon coin, hein, c'est un truc de fou. Hein. Mais franchement, enfin, tu prends une série S, toi, avec une télé, une bonne télé 1080 là. Le Game Pass, puis tu joues à Starfield. Là, tu joues à Starfield pour pas cher, quoi. Après, bah, on va voir comment il tourne sur série S, le Starfield là, fin de semaine là. Allez, ah putain, fait chier que c'est flingue là. Bon, attention, j'ai deux vies là, puis je vais en perdre une là. Ah, ils font chier les ennemis qui se téléportent là. Ah merde. 120 balles, elle a vécu la guerre par contre. Ouais. Ah ouais? Mais comment on peut abîmer une console comme ça, quoi? Je veux dire, tu me dis la manette a vécu. Bon, d'accord. Mais la console, alors je sais pas, ils ont joué au bac à sable avec ou. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Series S, ouais, 1440, ouais. Puis mais, 4K pour les films aussi, je crois. Hein. Ça marche. Blasphemous 2 est sorti sur Switch, ouais. Il reste encore compétitif, ouais. Ouais, mais je crois que la Nintendo, il va falloir qu'ils évoluent quand même. Hein. Par contre, ça vaut pas les zigs de Street of Rage. Ah bah oui, on est d'accord, Julien. Il me reste une vie. Ah, il y a un Poulax, là, on va le laisser. Et merde. Good luck out there, Captain. Alors, viens là, toi, t'étais trop loin. Ouais, en fait, faut être assez stratégique, hein. Voilà, lui, c'est fait. Et merde. Je pensais que l'autre, il aurait pris la balle. Alors, t'as pas besoin de manipuler, mettre les jeux à l'intérieur. Hein. Ah bah oui, bah c'est du full des maths. Hein. Oh la vache, tu one shot le mec hein, avec un pied de biche ou une batte. Allez hop. Ouais, quasiment one shot là, c'est un truc de fou. Hein. Putain. Alors voilà, ça c'est fait. Ton alim PC, c'est une combien? C'est une 750 watts, mon alim PC. Nouvelle carte graphique, consomme. Ouais, non mais ça va, normalement, j'ai dit à Biggie. Bah, Biggie m'a demandé. Hein. J'ai dit non, c'est 750 watts. Il m'a dit ok, c'est bon. Series S, 325, ils ont de rien. Ah oui, bah oui. Plus cher que le 9. Alors, demande accès à MDD Poc, comment faire pour déglinguer une console, ouais. Bon, allez, blabla, blabla. Ah oh, putain, mais... Vous... Ok, ça commence par une chope. Ouais, d'accord, donc une bonne chope. Voilà, hop, et on bourrine là. Ouais, c'est bon là.
Alors attention là, ok. Oh merde, qu'est-ce qu'elle fait là? Ouais, franchement, elle a pris cher là. Ouais, y'a un hot dog là. Ah putain, les autres ennemis, ils vont me faire chier là. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah putain, l'autre ennemi de merde là. Son flingue de merde. Allez, dégage. Non, j'en veux pas du flingue, voilà. Moi je veux ça. Ah putain, la salope. Ça va, je les cancel. Attends. Ah, il y a des mines. Ok, on va prendre le hot dog. Voilà, je vais essayer de jouer un peu stratégie. Ah, elle a bloqué. Voilà, là, elle a pris cher. Là. Ouais, c'est bon, là. Voilà, ça, c'est bien. Alors, attends, oui. Comment faut faire, déjà? Parce que là... Ouais. Parce que là, elle est invincible, en fait. Attention aux mines. Ah, ça y est. Ah, putain. Bon, ok, alors, vas-y. Oh là là, regardez, comment elle a pris cher avec l'arme. Allez. Enfin, elle est presque morte. Allez, on va la voir au flingue. Ça va. Ah, bah, les combats de boss sont cool, hein. J'ai une PS4 Pro et je joue à Street 6 et RE4 Remake, ça passe. Ouais. Non, enfin, la PS4 Pro, normalement, c'est bon, hein. Ah salut mon Cédric. Une séance, une critique, comment tu vas? En tout cas, une 80 Ti Rogue, c'est un beau truc, ouais. Moi j'y connais rien, hein, franchement, mais... Bah là, tiens, faut que je regarde le suivi du colis, là, où c'est qu'il est, là. Voir, normalement, je devrais l'avoir dans la semaine. Alors, je vois la PS5 à 600 balles sur le bon coin du bled. Alors, on va passer les... Est-ce que je l'ai débloqué? Ça se trouve, je l'ai débloqué, elle, là. Alors, obéir aux ordres de la capitaine. Ok. Ah bah c'est le dernier niveau je crois là. Alors, ok bah oui, c'est le dernier niveau apparemment. Est-ce que je peux prendre cette meuf là? Tiens, on va essayer. Ah non, elle est pas débloquée. Ok, bah je pense que je vais rester sur lui là. Ouais. Bien et toi? Bah écoute, ça roule. J'ai pas mis la clim, on est mieux. On est mieux, ça commence à faire moins chaud. Mercredi, jeudi, ils ont annoncé de l'orage et de la pluie, on verra. Si mercredi, jeudi, fin d'après-midi, y a des orages de bâtards, du coup je ferai pas de stream les mecs, hein, parce que ici les mecs, quand y'a de l'orage, ça rigole pas. Hein. Ok, alors là, bah, on se bat contre les keufs, hein, on s'est rebellé apparemment. Ah, matraque télescopique. Karen, talk to me. What's going on? You won't get away with this. Ok. Ah merde, ouais, faut que je fasse gaffe à l'autre là. Voilà, priorité à la fille. Voilà. Ok. Ok, ça c'est fait. Alors, RE4 Remake, tu l'avais en magasin en cash pendant que je suis en France? Ouais. Oh, j'ai regardé vite fait. J'ai regardé vite fait les jeux récents, mais alors vite fait, hein, Venox. Hein. Du coup, j'ai même pas pensé. Mais je crois que je l'ai pas vu. J'avais regardé les jeux PS4 et Xbox au cash à Luçon en Vendée, puis j'ai rien vu d'intéressant, franchement. Donc, t'inquiète pas, on aura bien l'occasion. On aura bien l'occasion de le faire tôt ou tard, ce RE4 Remake là. Ça se trouve, il va passer en promo. Tu sais, j'avais payé à 15 balles les deux, là, le RE2 et RE3, là. Alors, vu qu'il y avait, l'ami France qui m'avait offert un bon d'achat de 10 balles, je les avais payé 5 balles. Donc moi je suis sûr, ça se trouve, dans un an et demi, deux ans, là, tu vas le trouver à 10 balles, le RE4 Remake. Parce que les Resident Evil, ça décode vite, les gars. Hein. Merde, j'ai fait dans le vide, là. Voilà, c'est bon. Attention à lui, là. Ok, c'est bon. Sandwich. Hop. Voilà. Il est classe, ce jeu. Ouais, il est sympa, hein. Il a pas inventé l'eau chaude, mais ça va. T'as pu regarder ma vidéo de Mortal Kombat 2. Alors, en fait, je l'ai déjà vu, ce coup. Cédric. Il fait un coup comme ça, là, un peu à la Bud Spencer. En fait, sur 32X, je crois, il faut vraiment que tu sois collé au mec. Tu sois collé au mec et t'appuies sur coup de poing bas, je crois. Et il le sort automatiquement, en fait. Il le sort tout seul, Jax. J'ai pas réessayé sur Master. Mais du coup, je sais pas comment on le sort. Mais à mon avis, t'as pas grand-chose à faire, quoi. Peut-être si c'est comme sur...
32X et tout, il sort tout seul presque le coup là. Alors, t'as pas premier. Mec 2 est pas ouf. Ah non, mec 2, je l'ai vu hier, c'est pas ouf. C'était pas. Ouais, j'étais. Je savais que c'était pas ouf, mais ouais, c'était vraiment pas. Le premier m'a bien éclaté, mais. Mais là, non, c'est même pas fun. C'est ça le pire, c'est que c'est même pas fun. Allez, dégage là. Allez, lui, c'est bon. J'ai 2 vies, je sais pas si on va finir le jeu, les gars. Hein. Hop, un peu de bouffe. Et merde. Voilà, faire attention là. Parce que eux, ils ont des priorités. Ah, mais merde. Ils ont des priorités un peu bizarres. Un peu chelou. Ah, j'ai pu. Si, j'ai attaque spéciale. Voilà, c'est fait là. Ils sont pas morts. Ah, putain. Ah, ils sont chauds, eux. Et merde. Coureurs, ah, ils sont balèzes, putain. Allez, ah, j'ai plus d'attaque spéciale. Ouais, à mon avis, ça va pas le faire, les gars. Ah, ils sont balèzes, eux. Allez. Voilà, ok. Vas-y, une matraque, là. Ah, putain, ils sont trop rapides. Voilà. Allez, ça, c'est fait. Alors, micro-arnaque, ouais. Je suis même pas allé à Micromania en France, hein, je veux dire. Ça sert à rien, franchement. Je préfère aller chez Loïc. Au moins, je suis sûr de trouver des trucs. Et des trucs à des prix corrects, quoi. Alors. On peut mettre un combo sur 32X, ouais. Ouais, Mortal Kombat 2, je me souviens plus. Y'a pas trop de combos, hein, c'est surtout dans le 3. Hein. Oh, attends, y'a un gâteau là. Allez. Que je l'ai pris, non, oh, je sais pas. Ah, attends, il y a de la bouffe. Là. Putain, quand t'as un schlass dans le jeu, ça rigole pas. Hein. Allez, oh là là, ils sont chiants, eux. Faut que je trouve comment les cancel parce que là. Non, mais c'est pas possible. Voilà, faut que je le laisse venir. Voilà, il est pas mort, putain. Allez, viens là. Bon, ça va, il a pas bougé. Alors, on va prendre une matraque. Oh merde. Oh là, 4 meufs là. Ah, ça va être chaud. Voilà, ouais, j'ai utilisé la frame d'invulnérabilité pour passer à travers. Eh putain, merde. Alors, voilà, ça c'est fait. Allez, ça c'est fait. Changer d'arme. Alors, salut Nana, comment tu vas? Ouais, salut Vénox, hein. Merci à toi, merci d'être passé. Et bah demain alors, dernière vie les mecs. Hein. Je sais pas si je vais finir le jeu. Ouais, ça va être compliqué, hein, putain. Là, ce dernier niveau les gars. C'est vraiment compliqué. Ah putain, j'avais pas d'attaque spéciale pour le reprendre là. Voilà, je le cancel avec ça. Ouais, c'est bon, je les cancel avec l'arme là. Alors, on va prendre le poulaxe. Voilà, on va tout prendre là. Ok, c'est bon là. Alors, ton perso, c'est un gros tchad. Ouais, la move list, elle est suffisante, Nana. C'est pas la meilleure move list, mais franchement, ça va. Franchement, ça va. Alors. Ah putain. Allez, ça c'est fait. Je vais essayer d'aller choper la meuf là. Ah putain, ouais, elles sont chiantes elles. Puis elles tiennent à distance. Allez. Ah, y'a un hot dog là. Attends, on va le laisser pour après. Viens là toi. Et merde. Je voulais me servir de la matraque pour la meuf. Attends, il y a beaucoup d'armes. Hein. Ah putain, trop loin. Vas-y. Allez, c'est bon là.
Ah putain, il sort d'où lui là? Ouais, ça va être chaud là. Et merde. Mais d'où je le touche pas? Attends, hop. Ouais, faut que j'essaye de les cancel avec avec ça. Merde, ça veut pas. Ah, ils sont méga hard, hein. Allez, c'est bon. Alors, le stream vient de perdre en qualité. Jay est arrivé. Comment il va, mon Jay? Bon, alors, est-ce que c'est la fin, là? Hand over your badges. On what charge? Corpse theft. Bon, allez, blabla, blabla, rien à foutre. Je suis encore tombé sur un sacré Guigui sur le bon coin. Ah, tu m'enverras ça. Tu m'enverras ça en MP. Alors, est-ce que c'est le dernier boss? C'est quoi ce truc pété là? Voilà, j'ai bloqué là. Oh là là, c'est quoi ce massacre? Ils sont combien là? La meuf. Oh là là, ça va être méga chaud là. Ah si, j'ai une vie en stock, j'ai dû en gagner une. Ah, merde, elle a cancel. R2, oh là là, c'est chaud. What the fuck? What the fuck, c'est quoi ça? Ouais, putain, Pierre, avec les deux ennemis les plus balèzes du jeu. Ouais, moi je l'ai touché. Allez! J'ai plus de vie, les gars. Ils sont à la fin là. Ça passe ou ça casse là. Ah putain! Ouais, j'ai plus de combo. Ouais, je suis mort. On va échouer au dernier boss. Enfin, en supposant que c'est le dernier boss. Et putain. Ouais, avec de la chat, avec beaucoup de chat, ça va peut-être passer. Attends, il y a une matraque là, faut que je la chope. Oh la vache, oh putain. Oh, ça s'est joué à une claque. Ah, ça s'est joué à une claque. Une claque, putain. Attends, réessayer, on va voir où on reprend là. Ah, il manquait mais un coup, putain quoi. Ah putain, on reprend tout le niveau. Bon, allez, on va retenter. Voilà, on va juste faire un essai. On va essayer de faire un essai. Ah, ça s'est joué à rien, putain. Bon, allez là, voilà. Bon, je connais mieux les ennemis là. Donc on va essayer d'être plus prudent. Ouais, ça c'est bon. Il y a un peu de bouffe. Ah, j'ai que deux vies, merde. Je croyais que j'en avais trois. Ah, ça c'est joué à rien, les gars. Rétropolo a filmé un salon geek à Strasbourg, pareil, des prix américains. Ah ouais? Attends, je vais essayer. Voilà, elle est une de moins là. Voilà, allez, viens là, toi. Allez, salope. Oh putain, quand même, cancel. Oh bah. Allez, dégage. Bon bah ça va, j'ai de la bouffe. Donc j'essaye de jouer un peu stratégique, les gars. Ouais, mais qu'ils mettent les prix plus haut possible. Qu'ils se gavent, j'attends que ça. Ouais. Les gens ouvrant la bouche. Alors, t'as joué au nouveau Quake 2, ouais. Ouais, on l'a essayé vite fait l'autre jour. On l'a streamé l'autre jour. Franchement, il déchire. Hein. Il y a toutes les versions, il y a les DLC, il y a la version 64. C'est un truc de malade hein, ce qu'ils ont fait. Hein. Allez. Et merde, je dois de l'autre côté, putain. Ouais, attention à eux. Oh putain. J'ai essayé de choper une arme, voilà. Ah oh, putain de sa mère.
Est-ce qu'il est mort? Non, il y a le sandwich là, vite. Voilà, lui il est cané, c'est bon. Allez, c'est bon. Ah, j'ai pas pu ramasser le truc. Qui fait l'éternelle vierge effarouché, ouais, Polo, ouais. Il y a quoi coin gratuit stream avec le RTX, ouais. The newly graduated speedsters are still in here for orientation. Alors, Quaken, ça se joue sur Saturne, les mecs. La pire version ever, tu sais, pour les PCistes. Ouais, attention là. Ouais, allez, ça se joue pas mal pour le moment là. Allez, vas-y là. Non. Ah putain, je vais crever. Je vais perdre une vie. Et ouais. Oh putain, je t'ai cancel. Il faut absolument de la bouffe là, parce que sinon je suis mort. Alors attends, voilà, on attend là. Merde. Allez, je lutte les mecs là. Allez, lui c'est bon. Ouais, faut y aller. Faut y aller à coup de chop. Voilà, je vais prendre une matraque toute neuve. Spyro the Dragon, je l'ai vu à 50 balles. Ouais. C'est lequel sur PS1? Oh, de la bouffe. Allez. Allez, lui il est cané. Eh, franchement, je lutte les mecs là. Je suis pas encore mort, c'est un truc de ouf. Ça y est, c'est fait, je suis mort. Putain, allez. Ouais, cancel là, c'est beau. Ouais, ouais, ouais. Putain, quand t'as une arme, ça rigole pas, hein. Putain. Alors, Vinted, il y a souvent des bons coups à faire, hein, sur Vinted, hein. Là, par exemple, j'ai acheté Chuck Rock 2 complet sur Game Gear à 20 balles, les gars. Enfin, genre, allez, 23, 24 balles avec les frais de port et les frais, quoi. Il est dans le colis, il arrive. Trop content parce que sur émulateur, il déconnait, j'avais pas les sprites. Allez, deux filles de moins, c'est impeccable. Ah merde, j'ai un connard qui court là. Oh, il a pris cher là. Oh, comment je lui ai mis cher? Allez, un coup de schlasse. Allez, dégage là. Alors. Ouais, ouais, faut négocier, ouais, voilà, négocier dans la limite. La limite du raisonnable. Hein. Ouais, ils ont pris cher. Ah putain de merde. C'est vrai, faut que j'utilise le bouton bloc. Ah, elle est trop loin, putain. Allez, une de moins, je crois. Non. Voilà, j'ai utilisé la frame d'invulnérabilité. Oh là là, ouais, une de moins. Non, les deux, c'est bon. Ah, j'ai deux vies, j'ai dû en gagner une, les gars. Oh putain de merde. Bon, y'a un gros poulax là. Merde. Ouais, faut que je surveille ma vie. Ah, le dernier niveau, faut pas faire n'importe quoi, les gars, hein. Faut être stratégique là. Je vais prendre le poulax. Parce que au cas où tu tues le dernier ennemi, puis qu'après tu peux pas bouger. Le truc classique, bon, ça va, y avait d'autres gars là. Voilà, j'ai eu le plus dangereux. Eh, franchement, ça gère bien, les gars là. Franchement, ça gère super bien. Hop. Alors, allez, déjà, on est avec toi. Ouais, franchement, ça va là. Ça va, ça va. Si je continue à être prudent. Alors, tu pointes le billet en dessous de la gueule, ouais, voilà. Voilà, c'est ça. Ah merde, j'aurais peut-être pas dû prendre la bouffe tout de suite. Ok, allez, une de moins. Voilà, on va essayer de se débarrasser de l'autre. Merde. Alors, heureusement que les persos sont rapides, hein. Alors. Voilà. Hop, on va jouer chop là. Merde, putain. Ok, c'est bon.
Ouh là là, il casse-couille. Ouais, le cancel là. Avec la chope. Allez. Comment ils sont méga dangereux. Et putain, j'ai plus de. Voilà, attention. Ah putain, vas-y, ramasse-le. Ouais, il y a la cinématique. Bon, je vous reprends après, les gars. Allez, putain. Ah putain, j'étais à deux doigts de ramasser le truc à ma. Ah la salope. Ah, j'ai même pas eu le temps d'aller ramasser. Ah, je suis dégueu. Allez, là, c'est bon. On garde. Voilà. Voilà, ces espèces de pouvoirs. Ok. Oh là là, le maxi carnage là. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, attaque de zone là. Putain, ah, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, les mecs. Il y a un peu de bouffe là, je crois. Oh, ce cancel de ouf là. Allez, putain, j'ai pas eu le temps d'attaquer. Putain, ça va être très compliqué. Ah, j'ai pas le temps de mettre en garde. J'ai oublié. Putain. Ouais, bah t'as pas intérêt. Ah, attends, si c'est bon, j'ai récupéré de la vie. Oh, l'autre il a pris cher. Ouais, j'ai une vie. Non, pas chier, non. Voilà, c'est bon là. Putain, c'est chaud. Eh merde. Bon, tant que j'ai pas d'autres ennemis, si j'ai que elle à gérer. Ah, c'est presque fini, les gars. Allez. Ouais, l'attaque spéciale, elle a pas fait grand chose. Ouais, c'est bon. Est-ce que le jeu est fini? Il me restait une vie encore. Niveau 7 terminé, apparemment le jeu est fini. Oh putain. C'est lui une Lone Soldier. Et ça y est, c'est fait. Alors. Alors, ouais, faut que tu testes Blitzwalk, ouais. Alors, attends. Nijempo, ouais. Neo Geo et PlayStation, ouais, meilleur MU, Sega, ouais. Bah, Sega, moi, je fais avec Kega, hein. Kega, ça se passe bien. Hein. Salut Geeksfile, comment tu vas? Yes, plus de GG, les mecs. Enfin, ouais, fallait être stratégique, là. Hein. Il fallait être stratégique. Allez, on passe ça. Fin du jeu. Salut Linus, comment que ça va? Bon, bah, c'est cool. Bah, on a fait le mode campagne, là. Est-ce qu'on a débloqué le mode arcade, là? Ouais, Kega, il tourne super. Hein. T'as pour la Master System, Mega Drive, Mega CD et tout, franchement. Alors, campagne, sélection de niveau, arcade. Un seul jeton pour terminer sans sauvegarde. Ouais, là, par contre, c'est chaud. Hein. Boss Mayhem, donc là, on a débloqué le boss rush. Alors, fais voir sélection de niveau, là, justement. Ouais, voilà, on peut choisir le mode de difficulté. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 niveaux quand même, les gars. Hein. Avec les différentes routes là. Avec les devants de. On dirait une BD quoi, c'est fait exprès. Ouais, SNES Fix, ouais, il est bien aussi. Hein. Il tourne bien. Bon, bah c'est cool, les gars, bah c'est bien. Et à part le dernier niveau. Putain, on était. Et ça s'est joué, mais vous regarderez le replay, il lui restait ça. Une claque, c'est un coup de poing. On était en 1CC là. C'est un truc de fou là. Alors yes, bonne soirée mon Herbert. De toute façon, on arrive à la fin. Ça va tranquille au passage. Merci Alphon pour l'abonnement, ouais. Bah il était là tout à l'heure, Alph. Voilà. Tu connais Denjin Makai, oui. Alors Denjin Makai, on a fait le 2. On a fait le 2 en stream avec Biggie. Et du coup, j'ai fait un gameplay du 1 en Super Famicom. Il est pas sorti encore le gameplay. Alors ben, hein, si tu sais pas qui raid, il y a Data Reaper. Ça marche. Bah attends, on va regarder ça. On va regarder pour faire un petit raid. Et puis voilà, donc bah, si tout va bien, rendez-vous demain 18h comme d'hab. Pour le Blue Shadow en coop avec Zach. Voilà, si tout se passe bien. Alors, bah ouais, on a Data Reaper. Allez, on va aller chez lui là. Voilà. Tiens, bah il joue à Landstalker apparemment. Donc c'est cool.
Bon ben voilà les gars, je vais vous envoyer chez l'ami Data Reaper, je vais vous souhaiter une bonne soirée, des bisous à tous hein, comme d'habitude. Bien sûr, bon app, passez une bonne soirée, rendez-vous demain 18h, et comme d'habitude, n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu.